commence à faire jour. Vous aviez vu durant les durant cette dernière heure de nuit, vous aviez vu des petites deux trois êtres qui étaient sur le toit et là visiblement en tout cas vous ne les voyez pas. Vous aviez aussi repéré, j'ai oublié de vous le rappeler, vous aviez repéré des carcasses d'animaux. Hein. Et c'était toi, en fait, Babin, qui les avait repérées. Oui, dans la fontaine, j'avais pas mis aussi de la poudre, un peu de poudre dedans. On avait pas mis, je m'en rappelle plus. Au cas où. En fait, moi, j'ai une question. Je sais pas si le sergent a vu les mêmes choses que Babin ou pas, mais... Elles correspondent aux têtes que Babin a vues sur les... Alors Babin, t'as pu faire la corrélation hein, entre ces corps des animaux, là, ces carcasses. Tu dis que ça pourrait correspondre, quoi. Quand tu les retrouves, d'ailleurs, c'était ce que j'avais retenu, c'est que tu les retrouvais. J'imagine que tu leur fais part de tout ce que tu as vu. Oui. Ah ouais, bah je... Moi, je viens en rapport auprès du sergent. Sergent. Qu'est-ce qu'il y a, Babin ? J'ai saboté les carrosses. C'est fait. Par contre, à l'intérieur, il se passe des choses bizarres. Très bien. Ça m'étonne pas. Ils étaient complètement fêlés là-dedans la dernière fois. Ah bah... Qu'est-ce qui se passe ? Pour être fêlés, ils sont un peu fêlés, ouais. Ils se prennent pour des animaux, je crois. Ah, il porte C'est plus le roi et la reine. Non, c'est pas vraiment le roi et la reine, hein, je dirais pas ça. Sauf si le roi et la reine sont des animaux. Mais je dirais pas ça, hein, sergent. Je vais pas traiter le roi et la reine d'animaux. Quoi qu'il en soit... Non, faut pas dire ça. Ils avaient une attitude bestiale. Et je crois qu'il doit y avoir un passage secret. Tout à l'heure, j'ai vu Fénalic quitter la pièce, et quand il est arrivé dans l'autre, je l'ai pas vu dans l'autre pièce. Bah oui, ça doit être ça. C'est embêtant, faudra... J'espère que les gars postés autour, ils le laisseront pas passer. Ah, j'espère. Et je vous dis, il a le regard du diable, ce Fénalic. Ah ouais, je l'avais dit aussi. C'est un démon, moi je vous le dis. Il passe à travers les murs. Et je suis sûr qu'il passe à travers les miroirs aussi. Bon, c'est pour ça que tu l'as perdu. C'est possible. Il faudra lui transpercer le cœur. Oh non, on doit le ramener vivant. Ah. Sur les ordres. Hein, sergent ? Et si on n'a pas le choix ? Ah, si on n'a pas le choix, on va pas s'emballer, là. Vous allez tous vous calmer. À des ordres, on va les suivre. Oui, sergent. Vous avez... Il y a Baumin qui est en haut d'un arbre. Toi, Baumin, en tout cas, ce que t'observes, tu vois plus ces créatures, voilà, sur le toit du manoir. Hein. Ouais. Ce que tu peux observer, il n'y a qu'un seul valet à l'entrée de la demeure, et il y a visiblement, tu vois, quelques carrosses dans les écuries à ce niveau-là. Okay. Bon, si je vois rien d'autre, tu rejoins les autres en leur disant ce que j'ai vu. Et puis là, vous avez donc 4 soldats avec vous. Ce qui était convenu, c'est que Capitaine Malon, avec ses 10 soldats en retrait, était là justement pour éventuellement arrêter et stopper tout de suite. Et voilà, en tout cas, c'est eux qui feront pas l'infiltration directement dans le manoir. Là, vous avez ces soldats ici aussi qui sont présents. On n'avait pas dit ce qui était prévu exactement. Peut-être, je crois... Un groupe qui allait entrer par l'avant et un autre groupe qui allait entrer par l'arrière, en fait. Bon, d'accord. Prévu. En fait, cerner complètement la résidence. On devait attendre que le capitaine Malon agisse avec son canon et ses hommes. Et nous, après, on bloquait par derrière pour empêcher les gens de s'enfuir, si j'ai bien compris le plan. Non, le canon, il avait dit qu'il l'utiliserait en dernier recours. Ah bon, bah alors on attend qu'il... En tout cas, nous, on est là pour empêcher les gens de s'enfuir par derrière. Ça, c'est ça que le sergent a vu. Je sais plus si on avait déjà lâché les pas. Je pense pas, hein, vu qu'on a mené l'assaut. Ah, j'ai lâché les pigeons, je pense que c'est le bon moment, va falloir y aller. Nous, on y va par l'arrière, alors.
Ouais, sergent, on va par l'arrière. Hein. Alors juste pour bien comprendre, qui va dans le manoir en fait par rapport aux troupes. Personnellement, bah moi je suis rentré dans le manoir. Je fais partie des gars qui vont rentrer dans le manoir, certainement escortés par d'autres soldats. Mm-hmm. Escortés, accompagnés par d'autres soldats. Oui, oui. Fait partie. Ouais, bah, pareil. Et ce qu'on va faire, ça va être l'équipe de droite, elle va attaquer par là. L'équipe de gauche, je pense qu'on va arriver par là. Et puis il va y avoir les baïonnettes au capitaine. Alors, ce que disait l'équipe de droite, parce que moi j'étais sur un autre onglet, tu dis qu'elle allait attaquer où ? Bah, qu'elle allait essayer d'infiltrer par là, de ce côté-là. Ok. Je suppose. Ok. Je pense qu'il doit y avoir des portes vers. Il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Il y a un accès en fait par l'écurie. Et par l'écurie, ce que tu avais pu repérer, Renaud, c'est que tu pouvais ensuite accéder directement dans le manoir. Du coup, vous y allez tous. Est-ce que c'est pertinent de faire ça ou est-ce que c'est mieux. Parce qu'on a quand même 10 bonhommes avec nous, je crois. Oui, vous avez 10 bonhommes, hein, 6 d'un côté, 4 de l'autre. Après, il y a tous ceux qui sont en arrière, tous ceux qui sont en arrière là-bas avec les chiens, qui sont chargés de cerner les fuyards et puis à la limite, qui peuvent même se répartir autour du manoir. On en laisse combien à l'extérieur ? Les soldats ? Ah bah, ceux qui sont là, ceux qui sont en bas avec Malon. Je pense que c'est eux qui vont gérer toutes les fuites et tout ça avec les chiens. Ouais, donc l'idée c'est que vous en postez à peu près deux de chaque côté, quoi. Ouais, même par groupe de trois, quoi, tu vois. Mmh. D'accord. Chacun avec un chien. Oui, les chiens, je les ai pas mis, mais ils sont là. Et puis ils vont traquer les fuyards s'il y en a. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ok, du coup, dans le manoir, ouais, j'ai compris que Babin et puis Beaumain, vous rentrez, vous accédez via l'écurie, avec quelques soldats. Effectivement. Du poids, et puis bah, surtout Sergent Renaud, déjà, est-ce que toi, t'es bien en phase avec ça ? Et puis du poids, et puis qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Est-ce que vous restez à l'extérieur ? Moi, je pense qu'on va tous rentrer à l'intérieur. On ne sait pas, il va y avoir certainement de nombreuses pièces. Il faut aller très vite, donc il va falloir peut-être se diviser une fois qu'on sera à l'intérieur et envoyer peut-être les groupes d'un côté, les groupes de garde d'un côté, nous d'un autre côté. Enfin, on verra bien quoi. Mais moi, ce serait pas mal quand même laisser des paires de soldats. Si je mettons qu'il y ait deux ans à l'arrière, on met paires de soldats. Chaque entrée. Mais il y a les fenêtres, sergent. Vous avez vu les fenêtres ? Sans compter que. Il y a Beaumain qui a dit qu'il y en avait vu qui se baladait par le toit, donc il doit avoir aussi des accès par le toit. Non, mon avis, c'est la rapidité qui va être notre meilleur atout. Il faut rentrer et très vite investir toutes les pièces du château. Et plus on est rapide, plus ça sera bien, quoi. Si on se disperse, bah, ça sera moins de personnes à l'intérieur pour faire la chasse à tous ceux qui sont là-dedans. Vous vous rappelez, on a déjà fait ça, sergent. On investit, on est rapide. Voilà. Ouais. On arrête, on raisonne, et puis on donne des coups de latte s'il faut, et puis voilà quoi. On rassemble tout le monde. Et s'il faut, on en passe un ou deux dans le fil de la lame, s'il faut me faire l'exemple. C'est bon, go. Enfin, allez, je lâche les pigeons. C'est bon, allons-y. Allez, je lâche les pigeons à ce moment-là. Oui, il y a quoi, go, chef ?
Je secoue ma cage. Oh, j'ai confondu les... On y va, chef. Là, vous voyez les pigeons qui sont en train de lâcher, partir dans l'air, dans les airs. Et puis, donc, vous arrivez... donc, vous êtes, vous, 4, vous 5 avec Précy et plus 4 soldats qui arrivaient par les écuries. Vous commencez à entendre les soldats, les 6 soldats qui arrivent par l'est, de l'est. Et ils commencent à briser, à s'infiltrer, à briser des vitres. Et là, vous entendez quelques cris. Vous êtes donc tous dans les écuries. Visiblement, il y a des hurlements. Pour l'instant, vous n'entendez pas de coups de feu. Allez, vite, 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 on entre. Pressé. Je fais des gestes pour donner des ordres pour que chacun prenne sa place comme il faut. Ouais, normalement, je vous ai mis une petite map. Je sais pas si vous la voyez. C'est bon. C'est bon ? Ok. Bah pour moi, c'est bon en tout cas. Voilà, donc alors j'ai pas mis les autres soldats, hein, mais il y en a 4 avec vous. Vous avez une porte à ce niveau-là, et sinon, vous avez différents carrosses tout autour, dont celui qui correspondrait à celui du comte Fenalik, un carrosse complètement blanc avec un intérieur rouge. Et il y a les chevaux qui sont tous attachés, qui sont dans leur box. Ils sont dans leur box. Je vais m'occuper. Oui, ils sont dans leur box, hein, ils sont pas attelés. Il faut les faire sortir d'ici, ça, ils pourront pas s'enfuir avec eux. Je m'en occupe. Et puis je dis, toi là, viens avec moi, allez, il faut faire sortir les chevaux. Je fais, vous êtes, allez-y, continuez, je vous rejoins. Du coup, Dupont, il reste en retrait. Vous autres, vous êtes avec le sergent Renaud, vous enfoncez la porte directement. Qui l'enfonce ? Oula, il y a du monde derrière. C'est moi le plus costaud. D'accord. Après vous. Romain, tu as justement 2 valets de pied qui foncent vers toi. Munis d'un couteau, ils se retournent, ils ont le couteau à la main et tu vois qu'il y a une certaine agitation, quelques nobles qui essayent de s'enfuir quand tu arrives dans ce grand hall. Et ces deux valets arrivent depuis une porte qui était fermée, complètement fermée. Et ils arrivent vers toi. Ils foncent vers toi. Que fais-tu ? Ils sont à peu près à 2 mètres de toi. Ouais, j'ai la baïonnette, non, mais j'ai quand même tiré le... Oui, t'as la baïonnette, hein, oui, tout à fait. T'as un premier qui est sur ta trajectoire, tu peux choisir lequel tu peux viser. Celui qui est le plus près de moi. Ok. Alors je vais faire un petit truc avant. Bah là il prend une balle, oui, il est projeté en arrière, tu peux me faire directement les jets de dégâts. Ouais, là, il a bien morflé. Hein. Il était quasiment en face de toi, donc tu pouvais absolument pas le louper. Il est au sol. Il s'est pris un sacré pruneau. Tu en as un autre justement. Il est avec son couteau. Il s'apprête justement à te donner un coup. J'ai préparé le pari avec la baïonnette. Oui, parce qu'il te faut un peu plus de temps. Hein, être peut-être un peu.
Alors, il arrive vers toi, mais visiblement, il n'a pas encore le temps de... peut-être que tu l'esquives d'un seul coup, mais en tout cas, il n'arrive pas à te toucher. Ouais. Il est assez impulsif. Que fais-tu ? Je vais avancer la baïonnette pour lui donner un coup de baïonnette dans le corps. Ouais. Vas-y, tu peux me faire ton jet. Hein. Vous autres derrière, vous voyez en effet Beaumain qui est devant. Vous pouvez peut-être le rejoindre. D'autres soldats sont derrière. Sergent Renaud, tu es en première ligne, juste derrière lui. Oui. Tu peux me faire ton jet de dégâts hein, directement. Ouais. Baïonnette. Ouf. Oui, tu peux me dire éventuellement comment tu le butes. Oh bah j'embroche et puis je remonte la lame. Quoi. Voilà, bah là il est carrément il est mort. Hein. Tu l'as complètement buté. Quand vous arrivez, toi, Beaumain, tu n'avais pas vu, mais tu vois en effet un grand cadavre vêtu d'un habit de pape. Une sorte de cadavre immense, énorme. Vous entendez à côté, vous voyez d'ailleurs certains nobles qui commencent à arriver. Sergent Renaud, toi tu arrives derrière. Babin, tu suis aussi également ? Je suis. Ok. Donc là tous, hein, vous... Donc toi, Sergent Renaud, tu l'avais déjà vu, mais tous, vous voyez en effet ce cadavre énorme face à vous. Il y a certains nobles qui essayent de s'enfuir. Laissez-nous sortir. Le comte, c'est lui qui nous manipule. Laissez-nous. Derrière, vous voyez les soldats qui commencent à arriver également. Ils ont... Sergent Renaud, on a buté quelques valets qui nous ont rentrés dedans, mais visiblement, il n'y a aucun homme armé. À part ces jeteurs de couteaux. Toi, Sergent Renaud, tu vois en effet ces cinq aristocrates qui commencent à prendre la fuite. Ouais. Il faut pas les laisser s'enfuir, en fait. Oh là, restez ici! Un ordre. Soldats, arrêtez-les. Vous voyez, les soldats, ils les entourent. Ils entourent tous ces aristocrates. Il y a ces deux... Je vais les dégager, hein, ces deux valets. Il y a une porte qui s'ouvre, là. Il y a un valet qui sort. Il te voit... derrière. Il te voit, Babin. D'un couteau, il part en direction du sergent Renaud. Il t'a pas vu, hein. Je tire dessus avec mon pistolet. Ouais, vas-y. Bah, c'est histoire de voir s'il va pas s'enrayer. Pourquoi il faut pas tirer ? Comme tu aurais pu. Ah, j'ai plus de munitions. J'ai pas été rechargé. Oh, si tu peux cliquer deux fois sur le chargeur. Ah oui, d'accord. En attendant, les nobles, les cinq aristocrates se rendent hein, face aux soldats. Vous avez quelques domestiques qui sortent du salon, qui sont bouche bée, les yeux dans le vide. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Il veut pas tirer. Ah bah c'est bon. Oui, t'arrives à lui. Tu lui tires à quel niveau ? Ah bah au niveau. J'essaye de le viser au niveau de la tête. Hein, histoire de le neutraliser.
Oui, bah là, t'arrives clairement à le... t'arrives directement à l'abattre à bout portant. Il y en a un qui sort, et il voit le corps face à lui, il tourne la tête vers toi avec le couteau, il s'apprête à... J'ai le temps de sortir ma... Ah non, j'aurais pas le temps de sortir ma hache, hein. De toute façon, c'est le même round, je suppose. Ouais, c'est le même round, hein. Vous autres, vous voyez cette scène, hein, cet homme qui s'apprête à attaquer Babin. Pour lui faire un jet. Oh. Ah oui, là, il t'a pas loupé. Oh. Voilà, je prends les autres dégâts. Il te touche au niveau du ventre et tu perds 4 points de vie. Et vous voyez, il continue à essayer de redonner encore un coup. Que vous autres, vous pouvez agir maintenant. Bah, j'ai dû rembrocher avec ma belle lunette. C'est lequel Celui-là. D'accord. Je vais retirer des autres nobles, hein, qui sont sortis directement par les par d'autres soldats à l'extérieur. Dès que les chevaux sont sortis, j'ai tapé sur les croupes pour les faire sortir de l'écurie au plus vite avec le soldat, quoi. Ouais. Et puis après, dès que c'est fait, je rejoins les autres. Hein. Quitte à laisser le soldat terminer seul. Ouais. Oui, bah vous pouvez faire votre jet, Baumin, et puis Sergent Renaud. Vous êtes carrément en face de lui, hein, vous pouvez... Ouais. Puis il faut recliquer. Hein. Oui, t'arrives à l'embrocher, hein. Vous voyez Baumin qui est en train de le soulever du sol. Ah ouais, du coup, c'était peut-être pas là que je fasse ça. Enfin, c'était dans un même mouvement. Mmh. Oui, bah tu réinsistes, hein, et vous l'achevez tous les deux, hein, au sol. Il est blessé en tout cas, votre soldat, Babin. Bah, il a un coup de couteau, hein. Du coup, voilà, vous êtes dans cette salle, vous entendez des bruits de pas au plafond. Il y a d'autres soldats qui vous ont rejoint. Vous êtes face, vous êtes avec le sergent Renaud, vous êtes tous les cinq. Quelques soldats ont sorti, d'autres, les aristocrates. Au rez-de-chaussée, ça a l'air plutôt calme. Ici, vous avez donc la salle de bal, hein, que tu avais repéré, sergent Renaud, le salon également. Que tu as pu identifier, Babin. Et puis ici, c'est une pièce, une porte fermée. Et là, ici, c'est la salle à manger. Et un peu plus ici, c'est la cuisine. Si je vois qu'ils ont oublié une pièce et qu'il y a une porte fermée, je fonce dessus et puis j'essaye de l'ouvrir ou de la défoncer. Donc, tu peux me faire un jet de force. Je sais pas ce que tu avais fait la porte, mais ah bah là tu l'exploses, hein, magistralement. Vous voyez, tu vas me faire un jet de dextérité parce qu'en l'enfonçant tu vois un escalier devant toi. Tu vois des longues marches justement, et tu es pris dans ton élan. Oh, je vais mettre un planche, je l'aurai dedans. Donc tu arrives, hein, devant cet escalier qui descend. Il y a toutes ces enchères là le long. Ouais. Je crie, ici, il se passe quelque chose à la cave, ils ont allumé des torches. Il y en a peut-être qui se sont sauvés par le bas.
Eh ben allons-y. J'arrive. Eh hey, ben tout ça, je vais me mettre devant. Assurez bien vos défenses. Un peu plus. Qui descend le premier, c'est Dupois. Ouais, ouais, du coup je suis devant, je descends le premier, et puis je pointe avec le fusil. En alerte, comme ça, j'attends de sentir qu'il y a quelqu'un derrière moi hein, qui assure mes arrières aussi avant de commencer à descendre les marches. Je mets une main sur l'épaule en disant vas-y, je suis derrière toi. Et j'avance du coup. Je me mets en joue également au-dessus de lui. Ok. Sergent Renaud, est-ce que tu demandes à d'autres soldats de venir avec toi ou vous y allez que tous les 5? Il y a Précis qui est avec vous. Hein. Ah bah oui, non. Autant que les soldats restent à monter la garde au rez-de-chaussée, sergent. Bien, ouais, j'allais dire, il faut quand même qu'ils empêchent les autres de sortir. Quiconque. Et monter la garde, effectivement, s'y apprécie en plus avec nous. On y va, juste nous, quoi. Ok. Bah, de toute façon, vous aviez, oui, à peu près... Il y avait 4 soldats qui étaient sortis pour surveiller les nobles. À l'extérieur, il restait 10 soldats au rez-de-chaussée. Donc eux, tu leur dis de rester au rez-de-chaussée tous ou tu peux éventuellement les dispatcher après hein. Oui, je préfère que en fait, ils soient un peu ils soient par groupe de il y en a 10, écoute, ils vont faire 2 groupes de 4. Et deux qui gardent les nobles qui voulaient s'enfuir. Et les 8 autres, donc ben, 2 groupes de 4 pour continuer l'exploration vers le... Enfin, surtout, leur mission, c'est d'empêcher quiconque de sortir de la maison et de venir en renfort aux autres soldats si jamais ils les voient dans la difficulté. Ok, donc ils restent tous dans le grand hall, à l'entrée, les 8 autres en fait. Non, il faut qu'ils s'étalent un peu sur le rez-de-chaussée pour être sûr que personne ne parte par ailleurs. D'accord, ok, ils font tout, ok. Ils couvrent, ils se mettent en position partout, ils couvrent toute la zone, ouais, toute la zone au rez-de-chaussée, ok. Du coup, on va revenir à vous 5. Commencez à descendre et vous commencez à respirer une sorte de bouffée de ténèbres, quoi. Vous sentez que cette zone, elle sent le malheur, quoi. Du moins quand vous respirez. Babin, tu peux me faire un jet de constitution. Tu te sens que ça te gratte un peu à la gorge. T'as comme une irritation dans la gorge, tu te mets à tousser je vais mettre mon écharpe quand j'entends quand même commencer à tousser. Oui, parce que vous êtes devant avec Dupois d'ailleurs. Sergent Renaud, je sais plus si toi tu fermais le. J'étais juste derrière. La file. Ouais, j'étais plutôt vers l'arrière, oui. Ok, tu fermes la file. Ouais, donc tu vois Dupois en face de pas Dupois mais Babin qui est en train de tousser. Et tu ça c'est assez désagréable et tu vois un petit peu de sang quoi quand tu mets ta main contre cette lumière de chaque torche tu vois un petit peu de sang dans la paume de ta main. Ça va Baba? Ça va sergent, le médecin m'a dit que c'était rien mais avec l'odeur qu'il y a ici ça me fait tout drôle dans la gorge. Ouais. Commencez. Faites-moi bruit, on sait jamais, ils nous attendent peut-être devant. Quand vous arrivez à mi-parcours, vous voyez 2 petites silhouettes tout en bas qui vous observent. Ils ont l'air d'être à 4 pattes, c'est peut-être ça ressemble un petit peu à ce que vous avez pu voir dans la forêt ou même tout à l'heure sur le toit. Je tire tout de suite dès que je vois les démons. Oui, vas-y, tu peux tirer. Hein.
pas que j'en ai touché un. Vite, vite, ils sont en bas. Là, j'accélère. Tu vois l'autre créature qui se précipite vers toi. L'autre est au sol, elle reste au sol. Et tu en as une autre, elle se précipite vers toi. Et... je peux tirer. Oui, vas-y, tu peux tirer. Du poids, tu ne peux pas, il y a le temps de recharger, bien sûr. De toute façon, j'allais charger. Mais il se précipite très rapidement. Bayonnette. C'est un escalier, on peut être combien de front? À deux. Ouf. Oui, t'arrives à le toucher, l'autre, vous voyez, c'est deux corps au sol. Étalé au sol. Quand vous approchez, vous voyez des créatures quasiment nues, mais avec des grosses canines. Ils sont chauves, des oreilles pointues. Quand j'arrive au niveau de celle qui a buté Beaumain, je lui enfonce ma baïonnette dans le cœur. Ah. Et là, elle pousse un hurlement et d'un seul coup, elle se... Elles font en cendres, comme si qu'elles se consumaient, elles commencent à prendre feu et puis elle est réduite en cendres face à tes pieds. C'est des démons, regardez, c'est des démons. J'allais faire la même chose sur l'autre qui a tué. Oui. Il faut les acheter. Tu t'approches et ça fait exactement le tu vois, t'assistes à ce même phénomène. Et quand tu arrives en bas, tu peux observer différentes un long couloir en pierre bordé de géoles et tu vois des portes de chaque côté. Qu'est-ce que c'est que toute cette diablerie? Je laisse passer moi, soit le sergent ou... Parce que pendant ce temps-là, ouais, j'ai rechargé mon fusil. Donc je laisse quelqu'un qui a un fusil armé ou une arme armée passer devant moi. Je vais faire la même chose. Moi, je profite volontiers pour passer devant. Moi aussi, je passe devant. Vous voyez des portes ouvertes de chaque côté. Il y en a quatre. Hein. Et si on regarde dans l'ouverture de la première... C'est des cellules, hein. Vous voyez en fait deux corps qui ont subi visiblement une flagellation commune. Il y en a une qui porte une voile de mariée et puis une victime qui a l'air beaucoup plus récente et qui t'arrive à reconnaître, Renaud, correspond exactement à l'homme en tenue de Marie-Antoinette. La peau, mais avec la peau écorchée à coups de fouet. Et devant, vous voyez, devant ces deux corps, il y a une chaise assez longue qui a été installée sur place. Cette vision, vous, en tout cas, est assez effroyable. Vous allez pouvoir me faire un jet de santé mentale à tous ceux qui assistent à cette scène. Profiter du spectacle avec la chaise longue ou quoi? Oui, c'est une chaise, une longue chaise, oui, et visiblement, ils profitaient du spectacle, oui. Donc les cadavres, c'est ceux de Marie-Antoinette. Et Louis, c'est ça? Et une autre personne qui possède, qui a une voile de mariée, un voile de mariée. Il faut les libérer. Ils sont clairement des prisonniers. Ils sont morts ou vivants? Ils sont morts. Ah, voilà, plus besoin de les libérer. Les portes sont fermées à clé, je suppose. Donc, on voit pas de clé de notre côté sur la serrure ou de verrou. Non, c'était ouvert. Hein. Et quand vous regardez les autres cellules, les trois autres cellules, vous voyez d'autres scènes aussi effroyables, des corps flagellés. Voilà, visiblement, c'est... Mais il n'y a plus de dame qui vivent. Tout au bout de ce couloir, il y a une grande pièce. Une très grande pièce que vous arrivez à percevoir, qui paraît éclairée. Ceux qui n'ont pas réussi leur jet de santé mentale en perdent deux.
Donc vous êtes tous les cinq. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites? Je regarde vers le haut, vers le plafond, dans la pièce. Voir ce qu'il y a. Et c'est une pièce vide ou il y a quelque chose? Alors, cette dernière salle qui est au bout du couloir, quand tu arrives, tu vois, c'est assez effroyable. Hein. Tu es le premier à arriver. Tu vois, en fait, des victimes qui sont enchaînées au mur du fond, avec des bras, des jambes qui sont entremêlées pour former des caractères d'une langue tu ne saurais dire. C'est peut-être du latin, mais c'est une langue peut-être grecque, difficile à dire, peut-être arabe aussi. Autour, tu vois aussi de longs cercueils qui servent de support, peut-être de table, et dessus, il y a c'est couvert de rouleaux. Il y a une petite bibliothèque. Tu vois une excellente, visiblement, cave à vin, qui est assez bien fournie. Et au centre de la pièce, vous autres, vous le rejoignez? Certains restent en retrait. En chargeant mon fusil, quoi. Moi, je vais me poster direct du couloir pour voir si éventuellement quelqu'un nous arrive par derrière. Ouais, ok. Je suis en train de me demander pourquoi on était descendu, on suivait quelqu'un. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des torchères allumées. Sergent, comme j'ai vu qu'il y avait des torches, je me suis dit qu'il devait y avoir des gens, quoi, parce qu'on n'allume pas des torches dans une cave s'il n'y a personne. Et regardez, ils en ont mis partout. Donc il doit bien y avoir quelqu'un ici qui se cache. Peut-être que le comte, il est même là. Oui, j'espère qu'on n'est pas en train de tout faire foirer là-haut. De tout faire capoter là-haut. Il y a encore des soldats, vous inquiétez pas, on va se dépêcher. Si on trouve rien, bah tant pis. Mais là, vous avez vu toutes ces horaires, il y a peut-être encore des victimes qui seront vivantes quelque part. Même si j'en doute un peu. Il n'y avait pas de survivants en tout cas, vous voyez vraiment pas une qui vive. Donc vous autres, quand vous arrivez, vous voyez donc... exactement ce que j'ai décrit. Toi, Dupois, tu vois en effet cette petite cave à vin qui est dans un coin et qui t'interpelle un petit peu, quoi, ouais, qui te fait du coin de l'œil. Je m'approche quand même et puis je fais, mais comment on peut mettre une cave à vin avec et toutes ces horreurs à côté. C'est dans la même pièce hein, qu'il y a les trucs... Oui, c'est à côté, hein. C'est dans la même zone, hein, c'est à quelques mètres. Hein. Faut imaginer que de là où vous venez, il y a différentes cellules de chaque côté. Ici, c'est un cul-de-sac après, hein, là où vous êtes. Hein. Et vous arrivez d'ici, hein, où de chaque côté, il y avait deux accès, deux portes. Ce que vous voyez au centre de la pièce, c'est une grande statue. Visiblement, elle paraît être en porcelaine. Vous voyez des fois la lumière qui se réfléchit sur cette statue qui produisent des teintes un peu bizarres. Il n'a pas de visage par contre. Pourquoi cette... C'est une sorte de statue qui pourrait correspondre, alors les momies ça te parle pas pour ton personnage, mais ça pourrait avoir la même apparence qu'une momie. Couverte de bandelettes ? Non, elle n'est pas couverte de bandelettes, non. Debout ? Elle est debout ou elle est... Ouais, elle est debout. Je montrerai un petit instant. Ça ressemble au... C'est un petit peu, oui, peut-être des bandelettes, oui. Il y a peut-être des bandelettes. En tout cas, elle a le visage découvert, mais vous voyez, elle n'a pas de visage. En tout cas, vous avez du mal à discerner ce qu'il y a sur son visage. Et je m'approche. Et je vais la toucher du bout de mon pistolet. C'est de la pierre, ça? C'est plutôt de la porcelaine. Une grande statue de porcelaine. Et en regardant de plus près, vous voyez en effet des petites bandelettes de toutes parts, sauf au niveau de son visage. Quand tu vois un peu son visage... Babin, comme tu es le plus près, tu commences à voir... à discerner quelqu'un qui te paraît familier, quoi. Est-ce que tu continues à regarder Je regarde, curiosité. Il ressemble à quelqu'un que je connais.
Au bout d'une minute, tu vois que son visage prend forme et qu'il ressemble à ton fils adoptif. Mais alors vraiment trait pour trait. Aidez-moi, il faut le détacher d'ici, il faut l'enlever. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vois, il a un regard cruel, quoi. C'est un regard de peur. Je me recule. Je me recule de 2-3 pas. Et il a le visage de mon fils. Tu peux me faire un jet de santé mentale. Comme ils sont occupés, j'ai pris une bouteille de vin et je la glisse dans ma cartouchière, enfin là où je mets la poudre et les billes. Tu peux me faire un jet de discrétion, oui. Vraiment, bon, si tu fais un échec critique, ça pourrait entraîner une maladresse, quoi. Vous pouvez tous me faire un jet de toc, sinon. Et moi ? Sauf toi. Alors, Baumin, ouais, toi, tu étais à l'entrée, justement. Ouais. Tu n'étais pas dans cette pièce. Ok. Sergent Renaud, tu distingues des petits trous au plafond. Il y en a une dizaine. C'est des trous qui doivent faire peut-être, je sais pas, la taille d'un écu, peut-être. Il doit y en avoir une dizaine. Ils sont juste au-dessus de toi. Je m'écarte un peu parce que ça me dit pas de me retrouver sous des... Dans cet endroit, de me trouver sous des trous pour dégouliner des choses ou des chauves-souris, ça me dit pas du tout. Babin, tu perds 4 points de santé mentale. T'arrives pas à détacher ton regard, en tout cas, de cette statue. Cette statue énorme, massive, hein, doit faire 3 mètres de haut, quoi. Elle est assez imposante, hein, dans cette pièce. Vous avez trouvé quelque chose ? Moi, je trouve rien de mon côté. Cette statue ! Qu'est-ce qu'il y a, cette statue ? Et le visage de mon fils. Je me rapproche de lui. T'es sûr? Comme je te dis que je te vois. Ferme tes yeux, c'est encore une fourberie. C'est le démon qui essaye d'entrer dans ta tête. Détourne-toi. Je peux pas. Je viens vers lui. Fils. Je viens vers lui et je l'attrape par derrière, par le col, et puis j'essaye de le tirer en arrière pour le détourner. Tu te laisses faire, maman? Pardon ? Tu te laisses faire, Baman ? Je suis assez surpris, donc je me laisse pas faire de premier abord, comme ça. Je me laisse faire. Oui, bah il te tire d'un coup, hein. Tu perds un peu l'équilibre. Qu'est-ce que je fais ? Et regarde pas ce truc, je te dis, c'est un truc du démon. C'est une représentation du démon, il essaye d'entrer dans ton esprit, tu comprends pas. Il faut qu'on sorte d'ici, c'est imprégné par le mal. Sergent, vous avez l'eau bénite ? Bah tout le monde en a. Ouais, du coup, je en fait, on a chacun un cruchon d'eau bénite. Ouais. Je vais peut-être remplacer mon cruchon d'eau bénite par un cruchon d'autre chose. Du coup, je prends le... Moi, j'en ai, en tout cas, dans la panique, je lui dis, mais prends la tienne. Mais en même temps, j'arrose avec un peu de la mienne, tu vois. Il y a une sorte d'odeur nauséabonde, en tout cas, qui commence un petit peu à... Il y a une petite, une sorte de brume qui vient du plafond, qui commence à descendre et à envahir un petit peu le plafond, et puis à descendre, à envahir la pièce petit à petit. Vraiment toute la pièce ? Non, pour l'instant, là, ça envahit un petit espace. D'environ un mètre carré, un mètre cube. Faut sortir d'ici. Il y a une brume qui se déplace au fond.
peut pas rester là, c'est diablerie tout ça. Sortons. Prends une torchère du coup. Qui repart le... C'est Bamin, donc toi tu repars directement. Moi j'essaye de repartir, mais j'attends quand même les autres, hein. Je vais pas repartir sans eux. De toute façon. Sergent, faut qu'on y aille. Dubois, reste pas là. Sergent, vous avez trouvé quelque chose. Regardez, en haut, il y a un truc. Il faut pas rester là. Ouais, si remontons. Si vous avez trouvé, prenez-le et on s'en va. Bomain, reste pas là, viens avec nous. Faut les preuves. Oui. Bah oui, il faut. Et puis, faudrait pas détruire toi aussi. Dupois et puis Sergent Renaud, vous étiez à fermer la file. Et vous entendez une personne parler avec une voix menaçante. Et cette personne-là, quand vous regardez, vous ne l'aviez pas vue dans cette pièce. Et elle commence à dire « Vous avez envahi mon domaine le plus secret, menacé la source de mon pouvoir. Et vous allez tous le payer de votre vie. » Il se précipite, mais alors avec une rapidité en ta direction. Alors ça va jouer entre Dupois et puis le sergent Renaud. Oui, tu... J'avais mon arme à la main, je tire, je peux ? Oui, vas-y, tu te retournes. Moi, pensant que c'est phénalique, je plonge ma main dans la bourse qui contient la poudre. Ouais. Et j'en prends une poignée. Pour le jeter en direction de mes deux ou de la personne qui a parlé en fait. Ouais. Si je la vois. Bah tu vois en effet tu l'aperçois aussi également. Hein. Vous l'apercevez tous. Hein. Je positionne vos. Il était venu avec lui aussi. Il est avec nous précis. Oui précis, il était avec vous. Alors, il me manque qui ? Il me manque le sergent. J'espère qu'il tire bien. Qu'il est précis. Donc, on va commencer par le comte Fenali qui va aller en direction de... Il se précipite vers toi du poids. Et tu commences à tirer sur lui. Donc tu as fait combien, sergent Renaud ? 68. Deux dégâts, 6-7. Il est assez rapide. Et du coup, il va tenter un jet de dextérité avec un malus. Il arrive à éviter ton coup. Il se précipite sur toi du poids. Ah, si j'ai le temps, je mets la touche en avant pour essayer de... essayer de le ralentir et puis essayer de mettre des coups de gauche à droite. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop rapide, même pour moi. Tu vois qu'il essaye de te porter un sacré coup de griffe. Il arrive vers toi, que fais-tu ? Tu peux essayer de l'esquiver pour faire un coup Ouais, mes mouvements de torche, c'est plus pour jouer l'esquive, tu vois, pour essayer de l'empêcher d'arriver à mon niveau, quoi. Ouais. Je esquive, c'est là. Bah non. Et non. Et là, ça peut faire mal. Hein. Là, ça fait mal. Mais... Ça te fait mal, oui. Ouais, il t'arrache le torse et ça. Et vous entendez d'ailleurs une bouteille tomber au sol, une bonne bouteille de vin, et il t'arrache un petit peu le cou. Tu perds 10 points de vie. Tu peux me faire un jet de constitution. Tu me diras quand je peux réagir parce que j'ai une autre idée. C'est une blessure grave, forcément. Ouais.
Normalement, t'as dû perdre directement tes points de vie. Hein. Ouais. Ah, je les ai enlevés, alors je sais pas si je les ai enlevés avant de les avoir perdus. Mmh, d'accord. Quand je les ai enlevés, du coup, ça m'a mis les deux trucs rouges vulnérables. Mmh. D'accord. Bien, maintenant, donc c'est au sergent Renaud. Ouais, je balance mon sac de poudre, tu sais, en l'ouvrant en même temps pour qu'il se prenne toute la poudre à laquelle il est allergique en pleine face. Ouais. Ouais. Oui, oui, bah il est, t'es face à lui, tu peux me faire un jet de dextérité, éventuellement. Ah. On va croiser les doigts. Oh purée, je suis pas très... pas très forte en dextérité. T'as 55. Non, est-ce que je peux dépenser de la chance? Ce que tu peux rejouer, c'est tu peux le faire mais avec un des bonus. Comme il était occupé et que tu t'es arrivé par derrière. Ouais. Oui, t'arrives à le... Tu vois que ça lui fait un petit effet. Qui tousse, qui commence à être un peu pris de vertige, quoi. Vous le voyez, en tout cas, il ne réagit pas. Pendant quelques instants. Face à vous. Je suis au secours, on m'assassine! Boma! Baba! Aidez-moi! Toi, tu entends toutes ces agitations, Baumin et Babin. Baumin, est-ce que tu restes en retrait ou tu les rejoins? Je vais les rejoindre. Est-ce que avec tout ce ramdam, je peux entendre... Enfin, je peux voir Fenalik dans ma ligne de mire ou... Bah, tu vois, en fait, tu vois les autres soldats qui sont autour de lui, tu vois une certaine agitation. T'aurais du mal, en tout cas, à le toucher, mais tu peux essayer, hein. Mais attention à un échec critique. Voilà, c'est un coup. J'ai essayé de me faufiler et de lui mettre un coup de baïonnette. Ok. Bah, tu pourras le faire au prochain round. Du coup, Babin. Bah ben, moi je voulais faire la même chose que j'avais prévu. Le petit sac avec la poudre. Puis je fais la même chose que le sergent. Ok. Et moi j'ai pas. J'ai été chercher mon arme. Et mon réflexe. Ouais. Ok. Là vous voyez. Vas-y. Je vais utiliser 5 points de chance. Ouais, tu... Alors attends, pourquoi ça fait jet de dextérité? Tu lui as balancé quoi? Tu lui as balancé la poudre? La poudre, ok. Oui, tu peux le faire avec un des bonus, hein, par contre. Donc tu peux le refaire. Je refais le jet? Ouais, tu refais le jet, ouais. Mais là, bon, tu peux lui asperger directement, il n'y a pas de problème. Hein. Il est face à toi. Là, vous le voyez, il commence à... s'évaporer petit à petit, devient de plus en plus translucide. Une sorte de fumée plutôt verdâtre. Moi je continue d'en avancer du coup. Il essaye de s'échapper. Mais il commence à s'évaporer petit à petit. Vous pouvez me faire tous un jet d'écouter. Lui tire dessus. Ouais, vas-y, tu. Ouais, parce que j'avais mon deuxième... Je suis à bout portant quasiment là, ou c'est bon, je vais lancer normal, quoi? Non, là on va dire que t'es quasiment à bout portant. Ouais. Ouais, ouais, tu l'as carrément bien touché, tu peux me faire un jet de... tes jets de dégâts directement. Et du coup, je... Hop. Ah, mais j'avais pas fait complètement les dégâts avant avec mon premier coup. Tu les avais comptés ou pas? Non, mais tu peux les faire du coup deux fois. J'ai fait un 6 la première fois. Et... D'accord, ok. Ok, bah je les enlève direct. J'essaye de me relever, moi, difficilement, m'appuyant sur quelque chose. Tu...
mur. Quand, en tout cas, tu vois, il commence, t'arrives à le toucher un petit peu, et quand tu... Vous pouvez me faire un jet d'écouter, tous. Oui, il est raté, hein, ah, jet. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Baumin, quand t'arrives, tu... Et, toi, c'est Renaud, et puis Baumin, hein, quand vous avez assisté justement à un coup qu'a pris Fénalic, vous avez entendu des petits gémissements qui provenaient de la statue. Là, face à vous, Fénalic, il commence à devenir de plus en plus translucide, et quand t'as voulu donner un coup de baïonnette et précédemment un coup de feu, tu voyais que les coups de baïonnette commençaient à le transpercer, mais voire même... C'est comme si tu arrivais, n'arrivais plus à l'atteindre. Quand j'entends tout ça, est-ce que je peux changer mon physique d'épaule dans l'action ou pas ? Oui, bah là t'arrives, t'es prêt, tu vas viser Fénalic, mais je te laisse me dire ce que tu fais sinon. Et je vise la statue. Et je tire dans la statue. Oui, bah tu peux me faire un jet, vas-y. T'arrives à la toucher, mais tu vois que en tout cas ça ne l'atteint pas. Tu vois ta balle d'ailleurs qui a rebondi dès qu'elle a touché la statue. Oh là. Et moi je prends une torche et j'essaye d'y mettre le feu. À la statue directement ? À la statue. Ouais. Comme t'as dit qu'elle avait des petites bandelettes. Alors c'est une statue, mais c'est les bandelettes, elles sont de matière en porcelaine. Ah, tout est en porcelaine, c'est des gravures en fait. Non, c'est pas alors, du tissu. En fait, je prends la torche, je tape sur la statue, comme si c'était un gros. Donc tu donnes plutôt un coup, quoi. Ouais, avec ma torche, ouais, mais elle est allumée, tu vois, puisque je la décroche du mur là et. Et puis si je vois que le coup lui fait rien, j'essaie de lui brûler la tronche pour voir si... Oui, je te laisse me faire un coup de force sur la statue. Vous voyez, pendant que Renaud est en train de taper la statue, vous voyez Fénalic se transformer en brume. Il devient maintenant quasiment à 95% en brume. Il commence à s'évaporer vers le plafond en direction des petits trous justement que t'as pu observer. Donc t'as fait 23, c'est une réussite majeure. Tu commences à entendre une douleur, un cri qui provient de Fénalic. Il hurle de douleur, il commence à retomber au sol. Et il commence à se démembrer de chaque côté. Il y a ces articulations qui commencent à prendre des formes assez bizarres. Il pousse des gémissements et tu vois que la statue elle a quelques failles, commence à se former. Vous voyez Fénalic au sol. Le sergent me dit ça. Tu peux me faire un jet de force. Fénalic continue à pousser des hurlements de souffrance. Il se cambre en arrière, il est plié en deux, comme si tous ses os venaient de se rompre. Je me dirige vers lui moi-même et puis je lève le fusil, tu vois, et puis j'essaye de lui planter la baïonnette dans le cœur comme je l'avais fait sur la créature qui était plus haut. Alors il continue à crier, à hurler, et vous voyez la statue qui commence à s'effondrer, elle part la tête la première vers le sol. Alors, je vais vous montrer, et vous entendez des bruits de pas derrière vous. Sergent Renaud, que se passe-t-il ? Vous voyez le capitaine Malon qui arrive. Du poing, ne faites pas ça ! Ne le tuez pas, il doit être jugé tout de suite ! Tu arrêtes tout de suite ? J'arrête mon geste. Je retourne le fusil et je lui mets un coup de crosse pour l'assommer si jamais c'est possible. Oui, tu peux. Hein, il est au sol et il est en train de hurler de douleur.
peux vous partager cette ce passage. Que s'est-il passé? Est-ce Fenalik? C'est bien lui. C'est un démon. C'est un démon. Il a fait tuer d'un coup. Avec ses mains. Ça va? Comment tu te sens? Il a failli m'égorger, regarde. Ah bah oui, j'ai vu ça, Jean. Tiens, 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 tiens. Je vais te chercher une bouteille. Ça va te faire du bien de boire un coup. Ouais. Ouais, il t'a seulement amoché, hein. Il faut l'attacher, lui. Je mets mon pied sur son torse, hein, pour pas qu'il bouge, et puis... Il y a d'autres soldats... Il y a d'autres soldats qui arrivent, hein, derrière. Capitaine Malon lui dit « Saisissez-le !» Et vous le voyez, il continue toujours à hurler. Il n'arrive même plus à prononcer le moindre mot. Il est vraiment incapable de résister, quoi. Et vous voyez, les soldats, ils essayent de le relever, mais vous sentez qu'il est complètement brisé, comme la statue, d'ailleurs, que vous venez de briser. Soldats, arrêtez tout de suite donc cet homme et laissez-le. Il faut l'immobiliser pour le moment. Et vous voyez le capitaine qui ordonne à d'autres soldats de récupérer tout le contenu de la cave. Les soldats, ils commencent à arriver, ils renversent les cercueils. Il y a quelques parchemins, voilà, qui étaient présents. Ils les rassemblent, y compris, vous voyez qu'ils vont dans les cellules, justement, où il y avait des instruments de torture. Et puis, ils ramassent également tous les ouvrages reliés en cuir. Et le docteur Ego arrive... il faut prendre aussi ces morceaux de... tous ces petites ces morceaux, c'est... je sais pas ce que c'est assez surprenant, on dirait des petites statues, c'est... ouais. C'est sorcellerie, c'est sorcellerie, il avait pris le visage de mon diabolisme. Fils. Diabolisme. Ouais, c'est le diable. Hey, il vénérait, c'est son culte, c'est l'objet de son culte, c'est... J'en suis sûr, c'est un démon. Alors, quand on est descendu, il y avait des créatures, les chiens, on vous parlait, qui nous ont attaqués. Et ben, quand on leur a planté un morceau de fer dans le cœur, et ben, ils ont pris feu. Comme les torches, là. Donc, et... assumez tout de suite. Vous voulez parler de ces cendres, là, au pied de l'escalier? Bah, certainement, ouais. Confirmez, soldats, vos autres soldats. C'est sûr, regardez, ma lame est encore toute noire. Et je montre le bout de ma baïonnette. Regardez, en tout cas, soldat, il faut récupérer ces cendres. Mettez-les, je sais pas, dans des sachets. En tout cas, il faut tout récupérer. Et puis aller fouiller le premier étage et récupérer tout ce qui est tableau, objet d'une certaine grande valeur. Il va falloir tout faire cramer ici. Cette demeure est celui du diable. Vous voyez beaucoup d'agitation, hein, les soldats qui partent à l'étage, récupérer, ramener toute pièce de valeur. Et y compris deux hommes qui transportent le pape... enfin l'homme, le cadavre écorché, le pape écorché, partent avec lui, et tu vois d'ailleurs du poids, tu es au sol, et tu vois qu'ils sont en train de récupérer aussi les tonneaux de vin. Capitaine Malon ordonne la confiscation immédiate. Faut pas gâcher. Là, je t'ai récupéré une bouteille. Jean, ça compensera tes blessures. Ouais, je l'ouvre tout de suite, et puis... je sais pas si j'arriverai à remonter tout seul. Ah, je vais t'aider. Je porte la bouteille à mes lèvres. Ah ben toi pas de ce côté-là, c'est ma main en bois de ce côté-là. Ouais. Là, viens de ce côté. Il faut aller voir le curé ou le médecin, je sais pas. Enfin, le médecin, il a l'air plus occupé à récupérer des choses ici que
Allez, récupérez ces volumes. Vous voyez, il y a aussi pas mal de gros volumes avec une couverture en cuir. Vous sauriez dire d'ailleurs de quel animal ça pourrait provenir. Et puis sinon, vous voyez aussi différents petits artefacts. Et il récupère aussi des morceaux de cette grande statue qui a été explosée en morceaux. Et pas les brûler, ces morceaux, les faire fondre, je sais pas moi. On va les détruire une bonne fois pour toutes. Et pourquoi vous voulez détruire cela? C'est diablerie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait pris le visage de mon fils quand c'était une statue complète. C'est absolument fascinant, mais c'est... Je vais les garder temporairement pour observer confirmer ce que vous dites. Ce serait quand même une sacrée découverte, scientifiquement. Vous, je les ferai bénir par un prêtre avant. Je verrai ça. Et il regarde cette tête, justement, en porcelaine. Mais cette tête, elle est complètement... Elle n'a pas de visage. C'est cette tête-là, justement, où vous avez vu le visage de votre fils. Ah oui, regardez pas trop longtemps. Tout ce que je vois, moi, c'est le reflet de ma propre image. Non, en effet... Je veux pas vous confirmer. Pour moi, c'est diablerie, tout ça. Capitaine Malon, en tout cas, messieurs, je vous félicite, mais il faut... Maintenant, il faut acheter... il faut amener, justement, tous ces prisonniers, tous ces domestiques. Visiblement, tous les valets sont morts, pris d'un sacré coup de folie à essayer de tous nous tuer au couteau. Mais maintenant, on a quadrillé la zone, on a vraiment investigué tous les étages, au premier et au deuxième étage. Et maintenant, tous nos prisonniers sont à l'extérieur. Vous pouvez venir avec moi, soldat. Nous allons aller dans le jardin, directement. Ça va, Jean? Tu tiendras le coup? Ouais, ça va aller. Il va avoir besoin d'être cousu quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. T'as vu la balafre que tu viens de prendre. Et puis il faudra même recoudre tes vêtements, je crois bien. Ouais, mais... Je crois qu'ils sont bons achetés. Ils sont imbibés de sang. Ah ça sera difficilement reprenable tout ça. Et la blanchisserie qui va être contente. Bon, allez. Une marche à la fois, et puis on va arriver jusqu'en haut. Il faudrait que le sergent y prenne des preuves, parce que, à mon avis, ils vont essayer de tout cacher, et ils vont dire qu'on est fou, et qu'il ne s'est jamais passé ce qu'on a vu ici, dans cette cave. C'est qu'on ne pourra rien dire. De toute façon, on est des soldats. Ouais, mais... On en a vu d'autres, des choses. Ouais, c'est pas faux. L'important, c'est d'être vivant. Ouais. Vous voyez d'autres soldats qui arrivent vers toi, hein, deux soldats qui arrivent vers toi. Du coup, allez soldats, on va venir aider ce soldat blessé. Il commence à te porter. Faites attention à lui, hein. Vous pouvez compter sur nous. Bon, c'est un petit bobo, mais il va s'en sortir. Sergent, c'est quoi ce que vous buvez là? Ouais, quoi? Un petit coup de... C'est du pinard, c'est... Allez, mais faut en mettre sur votre plaie, ça vous fera du bien. Je suis pinard, je sais pas, mais en tout cas, j'ai perdu du sang. Alors, il faut que je boive pour en récupérer. Si ça peut atténuer la douleur, faites-le. Sergent, tu vois, il m'a dit qu'il fallait qu'on récupère des preuves. Parce qu'il pourrait dire qu'on est tous fous, avec ce qu'on a vu ici. Ils ont tout embarqué. On peut peut-être trouver autre chose. Oh, ils sont en train d'embarquer, hein. Ça leur prend du temps, ça va leur prendre, je pense, deux bonnes heures, hein, pour tout récupérer. Hein. Je vais les aider à rechercher. Je vais rechercher un qu'on pourrait prendre. On ne sait jamais.
pète un morceau de cette statue, et moi, contrairement au docteur, je la ferai bénir juste avant. Ouais, ça pue la statue. Ça... Je le sens pas, c'est une statue diabolique. Alors, t'as différents morceaux, hein. Quand t'as une main. Pour voir comment ça réagit. T'enverses, non, il se passe rien. Ouais. Il se passe rien. Ça fait pas grand chose, sergent. Alors, bon, ils ont déjà récupéré pas mal d'éléments, mais en regardant de plus près, tu vois qu'ils traînent un petit orteil. Ah, je vais prendre ça. Et sinon, tu ne saurais dire à quoi ça correspondrait. Des petits bouts de porcelaine éparpillés. Sinon, j'en profite pendant les 2 heures, donc ramasser ce petit morceau de statue, et puis je vais en profiter pour chercher d'autres choses. Bon, il y a peut-être d'autres morceaux dans la pièce, mais elle a volé vraiment un peu partout, quoi. Pas forcément de la statue, mais d'autres objets, d'autres preuves. Et c'est pas toi qui avais parlé d'un passage secret là, dans une des pièces. Si, en haut, Fenalik avait disparu quand il était rentré. Mais c'est peut-être parce qu'il est descendu ici. C'est fort possible. Parce qu'il y a peut-être une autre pièce cachée s'il y a des passages secrets. Alors, ce que vous avez aperçu, c'est qu'il est passé en fait par les petits trous d'une taille d'un écu quand il avait l'apparence de cette brume. Ça serait aussi... Sinon, vous pouvez faire un jet de trouver caché éventuellement pour si vous cherchez contre les murs un passage. C'est ce que je vais faire effectivement. Je vais l'aider. Je vais l'aider à rechercher aussi. Ouais. Ouais, vous pouvez. Ça c'est fait. Je regarde à peu près où les trous pourraient donner au-dessus et puis dans la maison, regarder à l'endroit où l'endroit du passage quand il est passé d'une pièce à l'autre. Alors tu as du mal à voir, Bomin, mais tu te cognes à un moment donné contre... Enfin, tu te redresses, tu regardais un peu partout, et en te redressant, tu t'es pris, comme t'es assez grand, hein, et tu étais contre le mur, tu t'es pris le plafond, qui était plutôt bas. C'est à ce moment-là, tu perds un point de vie. Ça t'a un peu assommé. Quant à Babin, ce que tu cherches un peu partout, et au sol, tu vois qu'il y a un rouleau qui est visiblement rédigé dans une langue... assez bizarre, en arabe peut-être, tu saurais dire. Et y a quelques illustrations de corps écorchés et torturés. Mais sinon, bon, tu n'as pas repéré de passage secret en poussant peut-être des petites briques un petit peu enfoncées. Pré-enfoncées, non. Non, il n'y a pas d'autres passages ou de portes dérobées. Ce que tu conclus, en tout cas, c'est par l'intermédiaire de ces petits trous, c'est que c'était le passage qui permettait à Fenalik de franchir différents étages de sa demeure. C'est comme ça qu'il disparaissait. En tout cas, je vais prendre le rouleau de parchemin. Ouais. Avec les inscriptions, les... Alors, ils en ont pris pas mal, mais tu vois que celui-là, il est resté... Ils n'ont pas forcément tout pris, quoi. Visiblement, c'est peut-être un des rares rouleaux qui doit rester dans cette pièce, que tu as réussi à trouver. Et vu que je vois des corps écorchés, moi je pense tout de suite Tine. Et j'en profite pour le prendre. Je donnerai ça à mon fils. Un petit souvenir de mission. Un petit souvenir de mission. Et en même temps, lui qui fait de la médecine, ça pourrait peut-être l'intéresser. Capitaine Malon, il est avec le docteur Ego, allez. Soldats, allons-nous-en, et on laisse les cadavres ici, ce sera leur tombeau. On a récupéré tout ce qu'on voulait, en tout cas dans la cave. Vous préférez pas qu'on les enterre ? Non. On les enterre dignement ? Et regarde le docteur Ego, nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça. Allons-y. Allons-y, soldats. Après, si vous le souhaitez, l'enterrer dignement, charge à vous.
Mais nous, on a autre chose à faire en priorité. Ah bah moi, je vais m'en occuper. Je vais les sortir et les enterrer comme il se doit. Bah, je vais te donner un coup de main. Pendant ce temps-là, pendant que vous allez préparer, voilà, vous récupérez des corps éventuellement pour les enterrer chrétiennement. Vous autres, vous faites quelque chose en particulier ? Je crois que le sergent Renaud, il est encore un peu dépassé par. Par tout ce qui vient de se produire là, par tout ce qu'il trouve diabolique et puis oui, il est en train de se demander comment la cave elle va bien pouvoir flamber, tu vois, il se dit que la maison ils vont là, ça va brûler, mais la cave, les souterrains là où ils étaient, il est plutôt dans ce genre de pensée, ouais. En fait, ouais, il lui faut un petit moment pour se remettre. Vous pouvez me faire tous en tout cas en parallèle un jet de santé mentale hein, par rapport à tout ce que vous avez assisté face aux attaques de Fenalik. J'attends qu'on vienne me soigner en attendant que les autres. Oui, bah, ils t'ont amené à l'étage justement et ils t'ont installé voilà, sur un petit sur la table de la salle à manger et le docteur Higo est en train de t'apporter quelques premiers soins. Merci docteur. Il avait des griffes, je vous dis. Il m'a arraché, regardez, il m'a enfoncé profondément ses griffes dans la chair, j'ai cru que j'allais mourir. Non mais laissez... tombé à la renverse. Il avait une force incroyable. Un démon, je vous dis. Laissez-moi faire. En attendant, vous perdez tous un point de san, et puis le docteur Higo, il commence, il va t'appliquer quelques premiers soins. Donc tu vois autour de toi qu'il y a pas mal d'allers-retours de l'étage. Il y a quelques statues et puis des tableaux qui sont amenés jusqu'au rez-de-chaussée, regroupés ensuite à l'extérieur. Et dans les tableaux, on retrouve des choses qui sont aussi de l'ordre de l'horaire, de l'horrifique, comme on a pu le voir en bas quand on est descendu. Est-ce qu'il y a des... Par exemple, on revoit cette statue-là qu'on a vue en bas. Ouais. Alors, tu vois des tableaux qui ont l'air d'être... pas des choses qui paraissent horribles, plutôt un tableau de l'époque qui représente une société, une villa romaine. Il y a un autre tableau qui représente plutôt la Renaissance, un décor plutôt vénitien. Tu vois aussi un tableau très brièvement qui ressemble à une cellule, peut-être une cellule avec un moine. Et il y en a un autre assez contrasté par rapport aux autres qui t'évoque un peu un sérail turc. Qui a quelque chose qui viendrait d'Orient. Avec quelques courtisanes, enfin, si on les appelle comme ça, quoi. Mais. Voilà, c'est assez contrasté entre différentes époques, époque de la Renaissance, aussi d'autres régions du Moyen-Orient et aussi cette de l'époque plutôt de l'Antiquité. Vous autres, vous remontez à l'étage, rejoindre Dupois. Alors Dupois, ce que tu remarques aussi, c'est qu'il n'a pas l'air concentré, le docteur Higo.
Il est assez, assez pensif. Tu vois, il n'est pas concentré à essayer de. Enfin, même, il te fait mal, quoi. Il essaye d'appliquer des compresses pour arrêter justement cette petite hémorragie, mais il n'a pas l'air de s'appliquer en tout cas. Bon, prenez cette compresse, maintenez-la bien, fermement, et vous voyez, vous verrez d'ici Ouais, d'accord. quelques minutes, ça va s'arrêter. Ça va Ouais, je s'arrêter veux de saigner. bien. Oui, vous voulez dire quelque chose du soldat? Non, non, je voulais. Ça fait mal, je souffre, vous avez pas quelque chose pour la douleur? Moi, ouais, il a une sorte d'alcool fort, quelque chose qui t'applique dessus. Ça te brûle, hein, tu Vous ressens en avez tout cas l'air une forte douleur. ces trucs-là, vous allez les ramener chez vous? On va les ramener à Versailles et on va recenser tous ces éléments, justement, pour pouvoir ensuite faire un dossier contre Fenalik. Mais d'après ce que je vois, il finira certainement à l'asile de Charenton. Un fou D'accord. pareil, on ne peut pas l'enfermer à la Bastille. Il rejoindra certainement le marquis de Sade qu'on vient juste de transférer il y a quelques jours à l'asile de Charenton. Il a quitté la Bastille. Il voulait conserver avec lui quelques rouleaux, mais visiblement, le gouverneur de Launay les a conservés avec lui. Bref. Restez là pour l'instant et les soldats vont vous sortir de là. Toi, Baumin, bon, bah tu reprends un peu connaissance, quoi. Tu t'étais un peu assommé en essayant de trouver une porte dérobée. Donc, dis-toi à quitter cette pièce ainsi que Précy. Et vous êtes tous les trois, Sergent Renaud. Babin et Baumin, que vous faites autre chose. Bah, une fois que on a recherché, on a remonté les corps, en tout cas des personnes qui étaient flagellées. Moi, je sors. Vous les enterrez dans la zone, dans le domaine ou ailleurs? Non, Non. bah, ils sont enterrés dans un cimetière, enfin, les faire enterrer au moins dans un cimetière, oui. Les mettre sur une charrette et puis d'envoyer Ouais. la charrette dans un cimetière. Oui, bah voici, vous pouvez vous occuper de ça, justement, les transférer directement au cimetière et voir avec le fossoyeur pour organiser cela. Le sergent Renaud, toi, le capitaine Malon, en tout cas, t'appelle. Et félicitations en tout cas, sergent Renaud, pour tout ce que vous avez fait. Nous allons enfin pouvoir enfermer cette crapule. Merci, mais on a suivi vos ordres. C'est vous qui aviez mis en place cette stratégie avec vos hommes. Avec Baumin, Bamin et Dupois, vous avez c'est des hommes qui iront loin. Ils passeront peut-être sergent comme vous. Qui sait? C'est des bons soldats. Des bons soldats. Bon, regardez là. Vous voyez tous les soldats, ils ont les prisonniers avec eux, prêts à être transférés à Paris. Enfin, quand je dis prisonniers, ce sera peut-être des témoins. Mais en tout cas, nous allons nous voilà, focaliser sur Fenalik, sur tout ce qu'on a récupéré, ses vêtements, ses objets de valeur, ses tableaux, y compris cette abomination, ce cadavre habillé d'un pape. Je ne sais pas qui a fait cette horreur, mais. En tout cas, nous allons. Les soldats sont en train de mettre en place le feu qui va renvoyer ce bâtiment maudit en enfer. C'est tous ressorti et puis vous commencez à voir les soldats qui commencent à mettre le feu cette demeure.
Et on va faire une petite ellipse. À moins que vous souhaitiez faire autre chose. Dans ces cas-là, on va basculer plusieurs jours plus tard. Capitaine Malon vous a convoqué. Vous êtes à nouveau dans le bureau avec le capitaine Malon et Dr Higo plusieurs jours plus tard. Il vous a convoqué, le capitaine Malon. Et Dr Higo donc vous fait un petit compte-rendu. Bien, messieurs, en tout cas, encore bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Nous sommes assez fiers de vous. Fenalik, il est clair qu'il est coupable, ça ne fait aucun doute. Mais on ne peut exécuter un membre de la noblesse, comme vous le savez. Et la démence dans laquelle il a sombré constitue un châtiment suffisant qui lui permet d'échapper à un procès en bonne et due forme. Dans les semaines qui suivent, il va être transféré donc directement et interné à l'asile de Charenton. Nous allons pouvoir le déclarer officiellement fou. Et d'ailleurs, j'ai pu échanger avec le représentant du roi qui convient qu'on emmène le comte ainsi. Quant à ce cadavre écorché et habillé d'un pape, on a vu que il avait été habillé de la sorte et déguisé de la sorte par un certain, et d'ailleurs conservé ainsi, par un certain Honoré Fragonard, qui lui risque également d'être accusé d'actes blasphématoires. Il faisait partie d'ailleurs des cinq invités de Monsieur le Comte. C'est un anatomiste. Mais en revanche, bon, il nous déclare être innocent. Mais tout porte à croire qu'il a déjà pratiqué ce genre d'empaillement humain. Et bon, c'est quelqu'un de la noblesse, et d'ailleurs il dispose parmi lui d'autres nobles qui vont lui permettre d'éviter la prison. En tout cas, sachez que maintenant ce comte ne pourra plus sévir, et que cette famille Raymond et toutes ces autres victimes du comte Fenalik ont été vengées. Alors chacun, vous pourrez récupérer un dé de 10 points de santé mentale. Honoré de quoi, tu as dit? Ah, je vais te dire. Je vais te l'écrire. Honoré Fragonard. Fragonard. Merci. Et donc, on va être le 17 juin. Et pendant plusieurs jours, il y a l'Assemblée nationale, voilà, qui se réunit régulièrement. Et le capitaine Malon vous fait part que on s'attend à ce que le tiers d'État, voilà, qui, comme vous le savez, est composé de gens du peuple, soit reconnu donc comme l'égal du roi et de l'Église. Donc je souhaite que vous soyez là pour éventuellement éviter tout débordement. Trois jours plus tard, vous allez entendre justement que le roi Louis XVI a ordonné à l'ensemble des soldats d'interdire l'accès à l'hôtel des menus plaisirs à Versailles, où l'Assemblée nationale siégeait lors des états généraux. Et là, je vais vous demander à chacun, en gros, comment vous allez réagir par rapport à cela? Est-ce que vous allez obéir aux ordres du roi et empêcher l'Assemblée de se réunir? Ou est-ce que vous allez rester à l'écart, justement, de l'hôtel des menus plaisirs
et refusez d'agir, ou est-ce que vous allez essayer de éventuellement de faire autre chose? Ils essayent de forcer cette porte pour se réunir et puis essayer de mettre en place, se concerter, peut-être mettre en place d'autres idées pour changer les choses. On va commencer par toi, Sergent Renaud. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on empêche ces gens d'entrer, il faut partir dessus. Ah, moi je tire sur personne. À leur tirer dessus, non, mais on va faire un cordon. Et puis ouais, on va avec baïonnette. On est combien? Ils sont nombreux quand même. On va se faire déborder, non? J'imagine qu'on a de quoi faire un cordon autour de... du bâtiment. Enfin, en tout cas, devant la porte. C'est que il y a une vingtaine de soldats qui sont devant la porte et qui bloquent déjà l'entrée. Et vous voyez, oui, d'autres soldats, par contre, qui ne les ont pas rejoints. À peu près une dizaine. Et d'ailleurs, ils sont en train de rejoindre le groupe du tiers état en demandant, en échangeant, en discutant avec les soldats qui gardent l'entrée, mais laissez-nous rentrer, laissez-les rentrer. Et j'aurais besoin de savoir, du moins, quel camp vous allez choisir, finalement. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous prenez parti? Ou pas? Je pense que le sergent, il va... Il fait pas de politique, en fait. Donc il va s'interposer entre les deux et il va clairement dire que c'est le roi qui interdit que... Que quiconque entre dans ce bâtiment... Que c'est un ordre de quoi? Le roi, quoi. Vous autres Sergent, si je puis me permettre, le roi, il est pas là pour nous aider. Il reste se cacher, il nous met en berline. Je pense pas que ce soit un ordre de droit divin que de vouloir donner des coups de baïonnette à nos amis. On n'est pas là pour donner des coups de baïonnette à nos amis, mais les ordres du roi sont les ordres du roi. Il faut obéir. Il y a autant de aller dans le sens de la foule que de se faire tuer pour un roi qui nous aide pas. Baumin, tu veux déserter, Baumin? C'est ça que tu es en train de dire? Je ne déserte pas, moi je sers la France. La France, c'est le roi. Pour l'instant, c'est le tiers état, la France. Hey, soldat, là, viens avec nous. Tu vois, un des députés du tiers état, tu ne sais pas qui c'est, il a une perruque. Ils sont tous à peu près habillés pareil, hein, complètement noir, tous avec un chapeau. Et il commence à dire, allez, soldat, essayez de faire quelque chose. Je sens que vous êtes de notre parti. Vous êtes pour notre cause. Etienne, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant qu'ils discutent, je vais aller ouvrir les portes. On te refuse en tout cas l'accès. Il y a d'autres soldats qui te refusent l'accès. Il commence à y avoir des échauffements, quoi. Moi, j'obéis au sergent. Qu'est-ce qu'il a dit? J'obéis au roi. L'armée, c'est tout pour moi. Baumin, lui, il te suit pas, quoi. Il va rejoindre le clan du tiers état et d'autres soldats qui sont avec le tiers état pour forcer la porte. Oui, nous on va se mettre. Moi je dis, allez les gars, Baumin, arrête tes conneries! Moi je veux pas me faire tuer pour un roi qui ne représente plus rien. Moi je veux protéger la France et la France c'est ce qui se passe en ce moment. Précis, il est avec toi, t'as raison. Il y en a marre justement de ces soldats qui servent que le roi. Il faut servir le peuple. Et qu'est-ce que vous prendrez comme gouvernant à la place du roi, une fois qu'il sera plus là? Une assemblée. L'assemblée de tous. Pas seulement des plus favorisés. Et tu crois qu'ils penseront à toi? Moi, je veux pas qu'ils pensent à moi, je veux qu'ils pensent à tout le monde. Et tu crois qu'ils penseront à tout le monde? C'est le principe du tiers-état et de l'assemblée.
C'est... Tout le monde est représenté. Qui sera le roi ? Il n'y aura pas de roi, ce sera l'assemblée, le roi. Ce sera d'autres rois. Et Dieu, là-dedans, vous défiez Dieu ? En refusant celui qu'il a désigné pour être le roi. Je pense que Dieu l'a bien... Il y a bien longtemps qu'il l'a oublié, ce roi-là. Laissez-le partir, sergent. Non, écoutez-moi, allons dans le sens de l'histoire et venez avec nous. Laissons-le partir, sergent. Il a raison, viens Dupois, qu'est-ce que tu fous ? Tu vas pas rester avec eux. Je sais pas, pour rien, venez avec nous. Il faut arrêter les conneries là. On a un métier et faire. Et le métier c'est de servir la France. Et c'est cet état du tiers état qui va surgir de cette assemblée. Ouais, mais ce que tu comprends pas, Romain, c'est que les ordres, c'est pas toi qui les donnes. Non, justement, c'est le peuple. Il y a un député qui commence à prendre la parole. Ils veulent pas nous laisser rentrer. Peu importe, on va quand même se réunir. Je vous propose à tous de nous rendre au jeu de paume. Allons-y. Mais c'est ça, réunissez-vous ailleurs. Mais personne n'entrera ici. Alors ce personnage qui a pris la parole, c'est Guillotin. Et vous voyez qu'il y a une masse justement de tous ces députés du tiers-état. Ils sont en tout cas une bonne centaine. Il a raison, allons au jeu de paume. Et ils commencent à partir tous. Ils vont pas pouvoir nous empêcher de débattre. Ils croient qu'ils peuvent nous refuser l'accès. Parce qu'ils commencent à proposer des solutions à l'encontre du roi, à nous opposer à toutes ces mobilisations de ces armées aux frontières pour les ramener à Versailles. C'est une honte à la France. Le roi, il devrait pas mépriser son peuple ainsi. Suivez-nous. Là, vous voyez cette masse de membres du député du tiers-état qui commence à s'éloigner et qui se rendent directement au jeu de paume. Est-ce que vous les accompagnez, certains ? Bah, oui, pas les accompagner. Mmh. D'autres le suivent ? Non. Nous, on tient les ordres que je donne, en tout cas, moi, c'est de tenir l'entrée de ce bâtiment. On nous a pas dit de les empêcher de se réunir ailleurs, hein, donc... Oui. Les ordres, c'est les ordres. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de débordement, en tout cas. Et là, vous les voyez, donc, en tout cas, on va passer donc uniquement à Beaumain. Tu les vois tous, donc, arriver au jeu de paume, justement, là où ils vont prêter serment. Un grand moment historique. Ils sont tous là, justement, à prêter serment, jurant, messieurs les députés. Je vous demande à tous de jurer qu'on demeure tous unis jusqu'à ce que la Constitution ait changé afin de donner une véritable voix au peuple. Et tu assistes là donc à une déclaration non violente de solidarité. Tu peux me faire un jet de trouver objet caché d'ailleurs. Oui. Tu reconnais le docteur Rigaud qui fait partie de cette foule. Je vais faire un signe de la tête, s'il me voit. Il est en train de prêter serment, il ne te dit rien. Enfin, en tout cas, il ne te voit pas. Bah, j'essaie de me positionner quand même vers ceux qui sont un petit peu les leaders ou tout ça. Ouais. D'être proche de ceux qui prennent des décisions et montrer que je suis là. Bah, ils commencent à essayer de remonter chacun leur doléance. Hein. Ça part en discussion. Chacun essaye d'avoir le... En fait, il n'y a pas de leader.
Ils sont tous réunis, chacun exprime ses doléances, mais il n'y a pas de leadership. Mais en tout cas, tu ne ressens pas d'intimidation d'un groupe par rapport à un autre groupe. Et en général, c'est des messages assez symboliques. Plus d'oppression, plus de droits divins, liberté pour tous les hommes dès la naissance. Voilà ces éléments qu'on pourra retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme, mais qui apparaîtra... qui interviendra en août. Mais le docteur Higo, si j'arrive à prendre la parole, je vais essayer de défendre un peu l'armée, suppression des droits pour les nobles d'accéder aux postes d'officier. Enfin, voilà, je vais essayer de donner un petit peu de mon beefsteak à l'Assemblée. Quoi. Il a raison, le petit. Roi pour tous. Et... En tout cas, t'es acclamé, hein. Il y a les gens du peuple, d'ailleurs, que tu vois en haut de chaque fenêtre de toutes parts, qui t'applaudit, qui t'acclame. En tout cas, ça annonce vraiment de bonnes années en perspective quand on voit ça, voir tous ces hommes unis pour la même cause. Ça fait rêver. Du coup. On va faire encore une nouvelle ellipse. Durant les prochains jours, avant ton départ de Versailles, on va passer à toi, le sergent Renaud. Tu vas avoir la visite de deux hommes. Et du comte d'Agen, ils te retrouveront dans une petite taverne près de Versailles. Et tu es assis justement dans cette taverne. Tu vois justement le comte d'Agen arriver avec deux individus. Sergent Renaud. Oui. Je suis ravi de vous revoir. Sachez que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous avez été absolument odieux et irrespectueux envers ma personne. Vous avez ordonné à vos hommes de m'attacher comme un animal. Ils m'ont insulté sous votre responsabilité. Vous leur avez même donné l'ordre de me frapper. Ce n'est pas ainsi qu'on traite un noble et quelqu'un de mon rang. Une raison d'État, c'est vous parler d'État, je vous parle du roi avant toute chose. Et me traiter ainsi alors que je suis tout à fait innocent, je n'ai toujours pas compris vos raisons. Et quoi qu'il en soit, après mûrement réflexion, et tu vois, il bégaye un peu, tu sens qu'il a du mal à t'annoncer cela. Et tu vois les deux témoins qui le regardent, hein, c'est des gens aussi d'un certain rang, ils ont une perruque, habillés comme des nobles. Je vous attends demain matin à l'aube et pour demander réparation. Vous êtes sûr? Si vous aviez été innocent, vous n'auriez rien eu à faire dans la demeure du comte Fenalik. Être un invité, je ne suis pas là de toute façon pour discuter, et un invité, être invité chez le comte Fenalik n'est pas un crime. Voilà, je vous attendrai demain matin à l'aube à 6h, et apportez des témoins. Et vous aurez le choix des armes, en tout cas des pistolets. Enfin, j'y vais, je veux dire, je le laisse partir, et puis je vais demander à Babin et Dupois d'être mes témoins. Ouais. Vous l'avez dit, sergent, j'avais entendu des nobles en parler quand on était à la taverne quelques jours, juste avant l'attaque de Fenalik. Ouais, et d'un autre côté, vraiment un abruti. Il a de la chance parce que si on ne l'avait pas tiré de là, il aurait fini comme les autres, attaché dans les caves du château et certainement dévoré, flagellé ou je sais quoi d'autre. C'est ce que je dis. C'est un abruti. Et puis si c'est pas un combattant, il va mourir à tous les coups. Donc il a de la chance. Un abruti. Du coup, tu... des pistolets, sergent, vous allez voir. Vous n'allez pas rater. On va vous les préparer, vos pistolets. Avant d'aller à la taverne.
Pour savoir, les duels, c'était. J'imagine, c'est pas forcément. On n'est pas obligé de tuer l'autre. Alors, non, c'est vous avez le droit à un coup chacun. Vous pourrez. Alors, il y a deux manières de procéder. Soit vous tirez à pile ou face pour savoir celui le premier qui va tirer. Soit vous tirez en même temps. Donc là, vous allez tirer en même temps. Et vous aurez le droit à un coup chacun. Et à la suite de cela, si les deux parties tirent à côté et que l'offensé accepte de ne pas continuer, dans ces cas-là, le duel est arrêté. Du coup, est-ce que tu te rends à ce duel et en compagnie de quel témoin? Et bah ben, les deux. D'accord. S'ils acceptent. Ah oui, sergent. On va pas vous laisser seul, sergent. Et après, on ira boire un coup. Est-ce que c'est puni Ah les oui. conséquences Oui. du duel? Oui, c'est pour ça que vous faites ça dans un coin assez isolé, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui viser le bras qui tient l'arme, mais en visant quand même plus côté corps que côté extérieur, parce que au cas où je loupe le bras, que j'ai au moins le corps, quoi. Ouais. Voilà. Histoire que si ça peut l'empêcher de continuer ses bêtises à celui-là. Donc quand t'arrives, hein, c'est le matin à l'aube, tu as chacun, il arrive avec deux témoins. Vous avez donc chacun, on vous remet chacun vos pistolets. C'est un endroit assez calme, hein, bien évidemment. L'un des témoins donc te rappelle pour quelle raison vous êtes ici. Oui, tu voulais dire quelque chose? Contrôler les armes, nous. Oui, on peut les contrôler, les armes. Oui, bien sûr, et en fait, il vous propose deux armes. Donc tu as le choix entre deux armes, le sergent Renaud. Tu vois, en tout cas, il tremble. Je ne suis pas là pour discuter. Quelqu'un qui ne fait pas, même pas partie de la noblesse ordonner à ses hommes de me frapper, de m'insulter et de m'attacher. Traité comme un animal, vous voulez que je continue à discuter avec vous ainsi? Qu'est-ce que vous espérez de plus? Croyez que je vais pouvoir vivre avec ça? Allez, finissons-en. Baumain et Bamain, pardon, et Dupois, voilà, vous pouvez contrôler les deux armes, hein, les vérifier. Elles paraissent être totalement opérationnelles, toutes les deux. Il n'y a rien qui puisse les distinguer. Chacun vont être. On va leur mettre une balle à l'intérieur. Et l'un des deux témoins, justement, commence à tirer une sorte de petit trait dans la terre avec un bâton. Et puis il commence à faire une vingtaine de pas. Sergent Renaud, vous pouvez vous placer ici. Le comte d'Agen, vous pouvez vous placer à l'autre extrémité. Bien entendu, moi je ne tremble absolument pas. Non, non, bah c'est quelque chose que tu sais parfaitement viser, donc tu n'es absolument pas intimidé. Messieurs, vous allez pouvoir commencer à vous préparer à prendre position. Et à partir de là, bah tu vas pouvoir faire ton jet de pistolet à platine silex. Et moi également. C'est le même, hein. On a tous fait une réussite ordinaire. De chaque côté. On est tous les deux touchés, hein. Tu vas me lancer un dé de 20, et moi également. Joli.
Il t'a touché à la jambe gauche. Et quant à toi, tu l'as touché une balle en pleine tête. Ah merde, j'ai mal visé. Tu as touché une balle en pleine tête. Le bras plus près du corps. Ici. Il t'a touché en tout cas... T'as touché en tout cas au niveau de la jambe gauche. Tu tombes au sol. Tu vas perdre 4 points de vie. Ouais. Voilà, vous venez de tuer, d'abattre Monsieur le Comte. Sachez que il faudra par la suite, vous ne pourrez certainement plus rester soldat à votre compte, du moins auprès du roi. Je vous conseille peut-être de changer de vie dorénavant. En effet, les duels à cette époque étaient interdits et dans certains cas, on employait. Si une fois que fait le duel, ces abrutis, ils n'ont rien de mieux à faire que de dénoncer les participants au duel. Non, ils ne dénonceront pas, mais il y aura certainement des questions qui vont être posées au sein, peut-être au sein des soldats. En tout cas, pour des hommes d'honneur en tant que témoins, ils ne vont pas te balancer. En revanche, il va y avoir une enquête, voilà, suite à la disparition du comte d'Agen. Et ils vont de toute façon en faire part à sa famille, et une enquête va être mise en place. Ils vont le remettre en tout cas à sa famille, mais par des intermédiaires. Et du coup, on va faire une dernière ellipse, et puis on va finir là-dessus, cette première partie. Vous voyez, il y a des affrontements tout autour, à Paris. Quelques jours avant, deux jours avant, il y a eu justement une rumeur qui a couru le 12 juillet. Justement, le ministre des Finances Necker a été renvoyé. Et que dorénavant, maintenant, l'armée est tout autour de Paris et autour de Versailles pour protéger le roi. Et c'est justement le matin même que certain Desmoulins, qui était en provenance de Versailles, qui a remonté cette information, qu'il a appelé aux gens du peuple de prendre les armes et d'aller affronter justement toute cette oppression. Ils ne veulent pas qu'il y ait un lynchage du peuple français, les gens ont peur. Ils voient les soldats tout autour de Paris, ils ont peur qu'il y ait une oppression comme il y a pu avoir à l'époque contre les protestants. Et du coup, vous voyez qu'il commence à y avoir une garde nationale qui a commencé à prendre forme. C'est une nouvelle milice qui porte les trois couleurs vouées à la lutte pour le peuple. Peut-être, Beaumain, tu les as rejoints avec... Babin, tu les as rejoints avec Précy. Et du coup, le peuple est parti aux Invalides pour récupérer des armes. Telle est la devise, aux armes, aux armes. Et du coup, maintenant, il leur faut de la poudre et aussi détruire le symbole qui représente cette oppression, ce symbole monarchique qui est à Paris. C'est en effet loin, Versailles, et les gens du peuple ont besoin d'abattre un symbole et de récupérer des poudres pour les armes. Il se dirige donc en direction de la Bastille. Quand vous arrivez, certains donc sont envoyés en mission, justement pour prêter main forte, être en haut de cette forteresse, postée à la Bastille en compagnie des gardes suisses en faction. Si vous êtes resté fidèle au roi, donc je suppose que c'est toujours le cas pour Dupois, Babin, et puis... alors peut-être, Sergent Renaud, qu'est-ce qui va se passer du coup, pourquoi, par rapport
à ce qui s'est passé durant cette matinée du 1er juillet. Alors, plutôt que fidèle au roi, je pense qu'on est fidèle au roi tant qu'il est le pouvoir en place. Mais... Oui, voilà. C'est, de toute façon, le sergent, là, il est blessé. Hein. Je ne sais pas s'il n'a pas droit à un... À rester justement en retrait. Un répit, quoi. Bah, on est à toi de me le dire. Pas bien utile avec sa balle dans la cuisse. À toi de me le dire, moi ça me paraît cohérent, il n'y a pas de problème, il peut rester justement à récupérer, à avoir des soins. On est tous les trois plus ou moins blessés. À Babin et Dupois, je vous dis, ouais, ça a l'air... Alors il s'est passé un mois depuis justement votre infiltration. D'accord, donc le 14 juillet est passé ou pas? Non, pas encore. Hein. Non, là on est le 14 juillet, il est 13h30. Et l'assaut va commencer dans peu de temps. Pour l'instant, vous voyez le peuple, il y a le peuple et la garde nationale qui est avec le peuple pour aller à la Bastille. Et puis, il y a des soldats qui sont justement au haut de cette forteresse avec les gardes suisses. Et ils sont derrière justement les canons, et puis ils sont avec leurs armes, prêts à tirer. Et je voudrais savoir en fait avec qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en compagnie des gardes suisses ? Ou est-ce que vous êtes avec la foule? Ça nous dépasse un peu tout ça, Babin Dupois. Allez pas vous prendre une mauvaise balle. On fera ce qu'on peut, sergent. Il faut bien servir le roi. Puis je réponds pas à ce qu'il dit là, parce que en fait. J'ai l'impression que ça nous échappe. Il a raison, mais. Avec ma balle dans la jambe, je me sens pas légitime de... Non, mais toi, de toute façon, t'as pas... Planqué, quoi. Non, mais toi, de toute façon, t'as laissé, dans un hôpital, enfin, à récupérer, quoi, de ta blessure. Quant aux autres, on vous a ordonné de vous rendre à ce poste-là. À tous, hein, même à toi, Babin. Alors après, si tu as la possibilité... Enfin, tu as le choix, hein. Tu peux rejoindre en effet, comme tu m'as dit, la garde nationale et de faire une scission par rapport à la garde royaliste, la garde royale. Quant aux autres, les autres qui veulent rester sous l'autorité du roi, eh bien, vous serez missionné pour aller en haut de cet édifice. Bah moi, je suis toujours, pour l'armée du roi, hein. Donc de toute façon, moi, j'obéis. Ouais. L'armée, ça a été toute ma vie, toute ma famille. C'est grâce à elle que j'ai pu vivre. Donc, je vais rester, moi. Après, je sais que, de toute façon, Jean, il doit toujours être blessé, parce que vu la blessure qu'il s'est pris, je pense qu'il ne doit pas être envoyé non plus. Ça fait un mois à peu près, donc... Au détour. Il n'est pas au mieux de sa forme, mais il a pu récupérer en tout cas. Ça paraît plausible, hein, depuis un mois où il a été blessé. Je fais bien, Etienne, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis encore blessé. On va à la taverne. C'est pas grave, on dira que... Voilà, on savait pas où on y était, il s'est passé quelque chose, on est intervenu ailleurs, j'en sais rien. Écoute, Jean, je te couvrirai. Si t'as un mauvais pressentiment, si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Moi, j'ai toujours cette mauvaise toux. Je crache du sang. De toute façon, justement. D'ici quelques mois, je serai peut-être mort. Eh ben justement, vas-y pas, tu vas pas aller crever sur là-haut, là. Je préfère mourir d'une balle. Il mourra d'une maladie qui me fera souffrir des mois, voire des semaines, des années. Tiens, prends ça. C'est pas, reste là. Prends, c'est une lettre. C'est une lettre pour mon fils. Justement, pense à ton fils. Il est médecin, il pourra peut-être te soigner, ou bien on va peut-être trouver quelque chose. Prends pour cette lettre. Reste là, je dirais que t'es encore gravement blessé. Je te couvrirai.
Moi, j'y vais. Si je m'en sors, j'aurais peut-être fait prisonnier. Après tout, ils vont peut-être pas tuer tout le monde. Si jamais ils rentrent. Si on gagne, tant mieux. Donc, pour résumer, sergent Renaud, en tout cas, bon, il récupère un de ses blessures, sa blessure au bras. Dupois, tu prends pas... À la jambe. Ouais, pardon. Dupois, toi, tu prends... Tu... Ouais, je suis encore bordé, alors du coup, je me fais porter pâle et je joue le malade. D'une certaine... Oui, t'arrives à voilà, les baratis. Je suis sûr qu'on va gagner. j'ai un bon pressentiment, contrairement à Jean. Ah, mais je sais que je vais gagner. Oui, ben il y a des représentants justement de la ville de Paris qui sont arrivés à la Bastille, voilà, pour négocier avec le gouverneur de Lounay. Et visiblement, ce qu'on leur a demandé, c'est parce que ces canons, c'est une insulte au peuple, c'est de retirer les canons. Et chose bon qu'il arrive à accepter finalement. Il dit, bon, bah, les canons, ils ont toujours été là, je vois pas pourquoi ça poserait problème, mais soit, si vous souhaitez un geste, je ferai ce geste. Et donc, du coup, il décide de retirer les canons. Sauf que toi, ce que tu vois, Beaumain, tu constates que la foule a peur, d'un seul coup. Ils vont préparer les canons, ils vont tirer sur nous. Et du coup, ça commence à partir en émeute et tout le monde s'éloigne. C'est le chaos total. Et ils ne comprennent pas là-haut. Toi, Étienne, là-haut avec la carte de Suisse, mais ils n'ont rien compris. On va pas tirer sur eux. Ils sont complètement fous. Et du coup, face à cette incompréhension, ce malentendu, voilà, le peuple se dirige tout droit à la Bastille. Là où d'ailleurs il n'y a plus que moins de, je crois qu'il devait rester 9 ou 7 prisonniers. Et voilà, on va s'arrêter là du coup.